à l'époque, lorsqu'il y avait pas mal de plantures de bananes, on était à peu près un peu plus que 1000 et quelques petits plantures de bananes. Aujourd'hui, la plupart des petits plantures de bananes, après la crise, sont arrêtés. Donc aujourd'hui, les gros planteurs de bananes se retrouvent pratiquement tout seuls sur le marché de la banane. Donc, ils peuvent demander tout et n'importe quoi au gouvernement, à l'Europe. Ce qui rapporte le plus à la Martinique, c'est l'importation des produits alimentaires. La banane ne sert que pour payer le fret retour sur l'Europe. La banane n'est qu'un prétexte pour maintenir ceux qui détiennent l'économie de la Martinique. Tous ceux qui sont dans le commerce, tout ça, la plupart, ce sont les mêmes qu'on trouve dans la banane. Hein. Tous les importateurs qui sont en Martinique, eh bien, ce sont les mêmes qui sont dans le grand commerce Martinique. Il faut se dire une chose. Hein. Si nos gouvernants voulaient prendre les choses à bras le corps, je pense que je pense qu'on aurait pu trouver des solutions pour pouvoir améliorer la situation de l'agriculture en Martinique. Mais veut-on vraiment aujourd'hui, on se demande est-ce que l'agriculture a vraiment sa place dans ce système-là.